Il y a un torchon qui a boulé là entre Pierre Espérance et Joseph Félix Badjo. En pile monde a questionné, surtout pour nous-mêmes qui toujours engagés nous dans cette bataille ça, dans cette mission ça que nous avons fait ensemble chaque jour. Nous avons pile famille, amis, plateforme non, qui connaît qui est ce qui Pierre Espérance. Yon kon Pierre Espérance son criminel. Pierre Espérance était dans complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. Et puis tout d'un coup, pardon, yon wè Joseph Félix Badjo sorti. Et puis qui est-ce qui dit qu'il a fait mentir sur lui dans le dossier assassinat du président Jovenel Moïse? Les pointe du doigt bien long, Pierre Espérance. Mais quand il y a quelqu'un qui a questionné, quand il y a quelqu'un qui comprend que normalement Pierre Espérance est tout le président Jovenel Moïse, quand il y a quelqu'un qui dit bientôt, je ne vais pas laisser ça. Je dis non, grand bagaille. Raison enceinte qui cause Joseph Félix Badjo décidé pour que lui finit avec énergumène ça il est Pierre Espérance là c'est parce que tout simplement Pierre Espérance était dans tout le président Jovenel Moïse ensemble avec et mais Pierre Espérance prend devant il vient clean tête lui et que lui responsabiliser Badjo seulement dans cadre crime ça et puis tout le monde à l'aise dans le pays c'est seul Badjo qui était dans le trou, et puis Pierre Espérance fait 15 mois la cité non Badjo sans camper. Pendant ce temps, non Pierre Espérance cité dans le rapport de CPJ. Ah, nous devons ça. Pendant ce temps, non Pierre Espérance cité dans non révélé dans le rapport de CPJ. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est des assaillants, c'est des criminels notoires, c'est des exécutants de l'assassinat président Jovenel Moïse qui étaient cités non Pierre Espérance. Yo te chita tête pour tête avec Pierre Espérance. Ça yo t'a fait dans moment, c'était planification assassinat président pays hein, qui c'est président Jovenel Moïse. Tout moun yo dit bagala Jean Lié, Joseph Vincent. Dil chita à plusieurs reprises avec Pierre Espérance. Pasteur Emmanuel Christian Sanon. Cité non Pierre Espérance à plusieurs reprises. Même Jean tout le cité non Reginald Boulos comme moun que chita avec plusieurs fois. Même Jean qu'elle dit les cités non Reginald Boulos, quel monde qu'elle connaît cri lettre pour demander support à plusieurs reprises. Et puis Boulos fait sortir, Boulos dit pas reconnaître pasteur Emmanuel Christian Sanon. Boulos dit pas reconnaître pasteur Emmanuel Christian Sanon. Même Jean tout, Boulos dit pas reconnaître Samir Randall. Boulos dit pas reconnaître Rodolphe Jean. Peuple haïtien, jeudi à nous exactement 3 novembre 2022. Torchon sa kap boule dans pays a li bay plusieurs cadavres après assassinat président paysan qui c'est président Jovenel Moïse. Mais nous même dans Infobeto nous ba tête nos mission ça responsabilité ça pour que nous chercher information pour vous pour que nous vienne du bagage exactement Jacques Lié. Même te dit nous ça clairement dossier assassinat président Jovenel Moïse là pas gagné sous la tête capable faire nous bay vague d'ailleurs preuve l'en clair dans 4 jours encore a fait nous 16 mois depuis nous avons dossier ça sans camper, par un jour nous pas gommer ensemble avec elle. Et ces batailles nous fait dans cadre dossier ça qui cause ou les Nations Unies un problème. Il a fait tirer les menées vini bien que pas les répondre à 100% mais quelque part ouais de temps en temps ou un petit flèche qui bail dans cadre dossier qui est pour avec assassinat président pays a qui c'est président Jovenel Moïse. Mais écoutez bien. Badjo côté Badjo. En plus monde demande bientôt côté Badjo qui cause la police pas arrêter. Moi dis nous on grain bagaille. Badjo en dans pays d'Haïti. Badjo a vécu dans Port-au-Prince là. Badjo c'est allié vite l'homme innocent. Badjo c'est allié Edouard Bossan. Badjo c'est allié Timakak dans la boule 12. Badjo c'est allié yon série de criminels notoires qui touye moun, qui kidnappé moun, qui fin avec moun dans pays. Badjo sont kidnappeurs définitivement parce que Badjo nan base kidnappeur yo. Et que des moun bien spécifique qui a levé dans pays ça, c'est Badjo avec troupe li qui levé yo parce que Badjo besoin pile l'argent. Il besoin pile comme américain. Pour que lui-même lui continue à acheter munitions, acheter des armes. Parce que Badjo nan la guerre. Badjo nan la guerre. Et c'est une guerre froide. Ça veut dire que ou pas ouais, Badjo, le capitaine de la rue, a fait péter coup de balle avec nous. Non. Mais Badjo nan bagwa on nan, li kon ki eske la manje grain bagren. Badjo nan bagwa on nan, li kon ki eske la fait kidnapper grain bagren. Ou même en tant que haïtien, faut qu'on dite tout. Nèk sa ki rele Frédéric Lecomte. Qui dans tête de CPJ a qui ça cause Frédéric Lecomte pas qu'à mettre code dans Koubrad Badjo qui ça cause Frédéric Lecomte pas qu'à mettre code dans Koubrad Badjo définitivement est-ce que li possible pour nèg fin tour un président de la République et pour nèg la marcher sur tout le monde n'a fin coordonner assassiner un président la marcher sur tout le monde dans pays a li à l'aise qui ça passé parce que représentant là coalition d'assassins c'est yo qui au pouvoir
Moi m'a dit non grande bagaille. Pierre Espérance. L'Ichita avec plusieurs monde qui devine planifier assassinat président pays qui s'est président Jovenel Moïse. Mais de CPJ pas jamais questionné Pierre Espérance. Badjo kon sa l'a dit elle nous elle fait sortir qu'elle fait dernièrement. Là nous l'a questionné, li pointé du doigt directement Pierre Espérance là. Badjo s'est frustré, il y a un problème. C'est pas seul lui même qui t'est tué Jovenel Moïse. Il dit n'a fin utiliser elle. Nego fait toute qualité bagarre ensemble avec elle, nego prend nous lui fait toute bagarre ensemble avec elle et puis c'est seul lui même qui passait pour pas bon. Badjo n'en plein. Et Badjo prêt à touiller plusieurs journalistes qui toujours a fait des flèches sur lui, qui fait des gros révélations sur lui. Mais Badjo directement Badjo vient sentir que moun pour le tatouer en premier. Moun pour le tatouer en premier pour l'esprit ta un petit gens calme, pour l'esprit ta en paix, il relé ancienne première dame nan. Qui c'est madame Martine Moïse. Deuxième monde pour le tatouiller, pour le talon souffle, c'est ancien premier ministre docteur Claude Joseph. Troisième monde pour le tatouiller, pour au moins pour plus ou moins pour apporter en bas pas produit dans pays a, les Amil, Aliel, camarade de combat, cavalier Paul Cal qui dans tout président pays ensemble avec qui est Pierre Espérance. Mes amis, n'est que t'a tatouiller président Jovenel Moïse depuis sous fantôme 509. Et coordination a commencé faite avec Joseph Félix Badjo, Marius Gauthier, Karl-Henri Boucher, France LB dans l'état-major de la police. Trois personnes qui sont dans l'état-major, c'est bons amis Joseph Félix Badjo. Coordination a commencé bien faite. Et c'était enlèvement dans un premier temps. Ok? Il était prévu enlèvement. Ça veut dire que kidnapper le président à la gueule d'un pays quelconque. Ou par contre, qui avion, comme un relais ancien candidat à la présidence dominicaine, qui a vu le président Jovenel Moïse à l'un pays ensemble avec elle. Ou par contre, mais qui n'a pas questionné tout, qui sa cause plan vient changer avec autant de facilité. Parce que le président Jovenel Moïse, c'est depuis le 20 juin 2021, le président Jovenel Moïse a sauté dans le pays la Turquie. Toutes conditions étaient réunies. Pour que les fantômes 609 avec les GPN, vous prenez, arrêtez le président Jovenel Moïse, remettez les messieurs fantômes 609. Et puis vous avez déplacé, allez quelque part ensemble avec elle. Vous dites, vous avez pris un petit avion et allez déposer dans le pays. Mais quelque part, vous avez dit comme ça que faut que vous fassiez parler ensemble avec elle parce que faut que vous allez parler avec Jovenel Moïse. Faut que vous exigez, monsieur, si il y a une démission parce que vous n'avez pas bon pour vous. Mais Kounia, qui s'agit de faire plan ça, passer de exil avec assassinat? Ça, nous devons prendre temps, nous prenons sans nous pour nous tendre l'émission, ça que nous tendons là, pour nous comprendre ce qui est passé dans le moment ça, pour nous avoir une idée de ce qui est passé dans le moment ça, qui ça cause plan vient changer avec autant de rapidité. Parce que pas oublier, 20 juin, le président vient mourir, 6-7 juillet 2021, soit environ 17 jours. 16 à 17 jours. Qui ça cause, nous, comme si nous avons dit, plan vient changer avec facilité comme ça. Mais tout ça que nous avons dit là, tout ça que nous connaissons, Dimitri raconte tout. Il était à l'aise là-dedans. Parce qu'il était à plusieurs millions de dollars américains pour mission ça. Moi-même, je vous dis une grande bagaille. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, son dossier, depuis nous, Kembil, avec tout nom, non, même Jean Foucault, avec 509, Kembil, dossier ça. Il dit faut que les jeunes lumières dans le dossier ça. Même Jean Jimmy Mouna fait bon TV, qui a mis dossier ça. Il dit la bataille pour la vérité dans quatre dossiers ça. Même Jean, comment elle est, Bousta, John, Madame Sarah, Zamino, qui a mis dossier ça. Il dit à Goumen pour jouer la vérité dans sa qui pour avec assassinat ça. Même Jean Chico Peuple, Palais Haïti, Hébert Tochon, Denise, Madame Beata Prosper, Jolene, au point de la Rosemont Jean, au point de la Gary, Jacques dans le pays d'Haïti. Et comment elle est, ancien ministre, et travaux publics là qui c'est Joise Isnader PM Claude Joseph Martine Moïse comment elle est arabe là toute équipe tout monde cap goumen tout haïtien cap goumen tout diaspora haïtienne cap tande là qui camper derrière nous qui dit faut que nous jeune la vérité dans cadre de ça m'a dit nous pour la vérité pour l'histoire depuis nous goumen à 100% avec toute nous toute force nous gagner bataille ça nous jeune la vérité dans ça qui nous avec assassinat président pays a c'est président définitivement cap fait nous changement en dedans pays d'Haïti pendant que l'embattait. L'a délivré pays a pendant que l'embattait. Non, justice pour lui a délivré pays d'Haïti parce que raison simple. Parce que moun qui touye président Jovenel Moïse, c'est moun sa k'ap fè kidnapping dans pays d'Haïti a. C'est moun sa yo qui kembe pays dans souffrance, dans malcité, dans saleté a.
C'est même moun sa ou tout qui touye Toto Bol, qui touye Jean-Baptiste Pardon. C'est même moun sa ou tout qui touye Maître Dorval. C'est même moun sa ou tout qui touye Antoine Ducle Zanmiyo. C'est moun sa ou qui touye en pile jeune garçon qui te kon manifestation manifestation dans pays d'Haïti. C'est même moun sa ou tout qui alimente tout gang dans Port-au-Prince net, qui ceinture tout Port-au-Prince net avec gang. Ça veut dire que la vérité en clair. En nous marcher de caille en caille dans Petionville là pour nous poser des actions concrètes et puis pour blanc définitivement pour nous c'est pas ballon bourade parce que nous décider enquête populaire nous décider pour aboutir avec tête aussi des oligarques corrompus avec aussi des policiers politiciens qui kembe politique depuis 36 ans dans pays qui pas jamais le bail même pour seconde cap touyer mon cap assassiner mon cap assassiner caractère mon cap fait tout cas des actes dans pays justement dire honnêtement la vérité par l'autre côté c'est marché de caille en caille à la caille politicien à la caille soit les bourgeois bourgeoisie ban gang qui dans secteur privé et puis n'après si définitivement pays pas soutenir ça qu'elle trouve là assassinat Éric Jean-Baptiste on pourrait dire nous qui choy peuple haïtien gien gros causé oui même monde qui touye président Jovenel Moïse c'est même monde qui touye Maître Dorval même monde qui touye Maître Dorval yo c'est même groupe monde qui touye Éric Jean-Baptiste homme d'affaires haïtien jeudi à nous exactement 3 novembre 2022 m'a dit nous bonjour bonsoir tout le monde depuis d'amande qui était quelle heure on attend nous et on regarde nous encore une fois gens que nous connaissons c'est toujours un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous ça vous me fait du bien à chaque fois que me connais m'a vienne partager un moment ensemble avec nous et que me connais nous pas réagir exactement à travers commentaire alors c'est là que nous va dire tout ça que nous pensons et ben oui tout ça que nous comprenons de ça qui dit dans l'émission panoua qui passe sur plateforme panoua qui sur plateforme YouTube info bientôt parce que il est clair que nous tendez nous comprendre nous apprécier travail là et c'est normal pour que nous gagner ça nous capable briller une réaction restons panoua pas de l'autre côté que nous capable faire ensemble avec nous c'est exactement dans espace commentaire là peuple haïtien nous capables de faire et dire ça que nous pensons, dire ça que nous comprenons. Parce que c'est très très important et que réaction pas ou même en tant qu'Haïtien pour faire ensemble avec nous. Et nous avons commencé évidemment avec une déclaration. Et ça cause le Jean-Gabriel Fortuné, ancien sénateur de la République, ancien magistrat, le mouri 14 août 2021, dans le temps qui était passé dans le département sud-là, et tout n'est pas de rester content. Raison simple. Parce que Gabriel Fortuné est un gros combattant dans le cadre de dossier pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Et qu'elle était toujours claire et précise. Et moi-même, j'ai commencé l'émission, la vidéo, ça, avec plusieurs séquences de déclarations et avec analyse qui nous a fait pour nous permettre de faciliter pour que vous compreniez ça que vous devez comprendre dans le cadre de l'émission. Parce que, écoutez bien, moi-même, je dis à clair sur ça. Nous avons un groupe de monde dans le pays d'Haïti qui a tout le monde, qui a détruit la vie de monde. C'est la vie de monde qui a détruit. Mais par contre, vous gagnez, pardon, la justice haïtienne qui mettait au bon côté de monde. Ça veut dire que le monde a des vies ou des morts sur chaque citoyen paisible dans le pays. Il y a tué les gens, il y a disparu tous les gens, il y a kidnappé, il y a violé les gens. La justice n'a pas qu'à traquer parce que moun sa yo yo au-dessus de la loi c'est la loi en bas yo c'est yo passé l'ordre dans pays d'Haïti pas la justice qui katrake yo est-ce que nous jamais entendez après toutes zame que l'église catholique épiscopale d'Haïti rentré pour les oligarques corrompus dans tout nèg dans trafic zame dans pays est-ce que entendez le y a traqué prêtre l'église épiscopale d'Haïti yo est-ce que nous jamais entendez arriver sur dans oligarque yo yo pas arriver sur yo mais par contre il y a près de 105 conteneurs d'armes qui rentrent dans le pays, sorti mois d'octobre pour arriver mois d'octobre 2021, pour arriver mois de mai 2022. Il y a environ 105 conteneurs d'armes qui rentrent sous nom l'Église catholique épiscopale d'Haïti pour venir aider comment les secteurs privés des affaires là vendre des armes, alimenter gang dans ghetto avec des armes. Je dis qui ça passé. Nous passons non prêtre l'Église catholique épiscopale seulement qui indexé dans le cadre de ça. Qui ça fait ça? Parce que le commissaire gouvernement, DCPJ, pas décidé de river sous Nexayo. Raison simple. Parce que Nexayo qui doit des vies ou des morts sur chaque grand citoyen. C'est une tête graine. Une tête graine lui-même. Depuis qu'elle entre nos bagages dans le pays d'Haïti, qui louche avec des qui sont privés, c'est lui-même qui cible. C'est lui-même qui a sauté. Il n'y a jamais river sous Nexayo. Est-ce que nous, j'aime le commissaire gouvernement pour le Brest-là, j'aime voir mon d'abaï Edouard Bossan de Unibank. Edouard Bossan, bel et bien dans le trafic ZAM avec l'église catholique épiscopale d'Haïti. Il n'a vendu ZAM dans le pays, il n'a alimenté gang dans Matissan. Il n'a alimenté gang dans la zone de la Saline. Nous, j'aime voir mon d'abaï. Non, je ne vais pas voir mon d'abaï parce que raison simple. Fizi Blanc, c'était prêtre l'église catholique épiscopale d'Haïti. Depuis qu'il a fini de sauter, Edouard Bossan va continuer dans le pays.
Edouard Boussan pour le capable gérer le combat que le gagne avec Bidjo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas, qu'on gagne froid dans le train de yo. Edouard Boussan organise les gens, prend gang Isoa, mette sous de grenes yeux, li, c'est de grenes yeux dans la tête. Li ba Iso en pile zam, et ou ba Iso yach, ti bateau Iso, pour Iso flané sous la mer, pour Iso capable persécuter Bidjo, l'autre gang, dans Paul Afito. Évidemment, Iso fait. Iso débarqué avec Topli dans Paul Afito. Tandis, Edouard Boussan fait Iso 5 secondes, al mettons l'autre gang dans zone Canaran pour bay problème avec contenant qui va dans Paul Afito, qui va sauter dans Paul Afito. Raison simple, parce que nèg yo besoin de contrôle plus possibilité dans douane pour nèg faire 500 millions, 800 millions, 900 millions sans contrôle, parce que le gouvernement qui est en place son coalition d'assassins qui fin tout un président c'est nèg ça te bay kobyo pour te touyer président qui cause Ariel Henry arriver là. De fait, Ariel Henry pas qui doit pour poser question avec coalition d'assassins ça qui dans doule là. Je dis il faut que nous connaît moun nan nou kap victime. Pas gen l'autre moun qui fait la victime. C'est deux criminels, deux assassins qui pas haïtiens. Non yo c'est Edouard Boussan, non yo c'est Gilbert Bidjo, groupe Bidjo. C'est deux groupes moun avec les meuses. Moun sa yo c'est eux même kap goumé en bas pour qui son bagay pas qui pas l'état haïtien, pas pri pas qui pour nous même peuple haïtien. Nèg yo décidé pour c'est pour yo privé pour que lié. Mais de fait si ça a plus intérêt, yo prêt à touyer une lot pour que yo capable de contre situation. Mais par contre, pas gen un cap mourir. Qui est cap mourir? C'est petite malheureuse malheureuse qui c'est moun nan nord. Moun akaye, moun kabare cap mourir, moun sous mat la cap mourir, moun la plaine cap mourir parce que yo mette zam pour jeune garçon, fizier malheureuse malheureuse pareil yo pour faire tout moun personne ça pour contenir paix sorti, saisi contenir, mais on pas jamais tande copite côté petite bidio victime. Ou pas jamais tande côté petite akra victime. Ou pas jamais tande côté petite Edouard Boussan victime. Pendant ce temps, Boussan bel et bien dans le pays, il pas déplacé. Il est dans le pays, il a alimenté gang tribo par beaucoup. Il met un petit macaque dans la boule 12 qui touille Eric Jean-Baptiste. Ça nous de qu'on a pile bagaille de lui. Il faut que nous cherchions la vérité. Nous ne pouvons pas peur dire Jean Lié. Moi, je dis nos grandes bagailles. Haïti, pas de passer par quatre chemins. Fouille-moi dans le sang ou à mourir. Parce que robinet sang là. Sous fouille-moi là-dedans, peut-être, ou capable de rentrer dans quatre batailles. Mais là, on était dans le silence. Ou choisi pour ouais côté robinet sans éclater qui est-ce qui débouche le cap fait sans vide dans pays comme ça ou choisi faire silence sur ça ça veut dire quelque part ou son complice et de pour son complice que supposé traque ou supposé connaît même sort que criminel ça yo parce que il possible parce que l'on haïtien accepte pour qu'on fait silence sur qualité crime ça que n'a pas commettre dans le pays ou vinn pi méchant que criminel yo ou vinn pi assaillant passé yo et de fait Fok nation pren distansyon ensemble avec vous. Je te m'a dit chaque grand haïtien qui vit dans le pays d'Haïti. Prends responsabilité nous et rentre tête dans quatre batailles ça pour délivrer pays ça parce que moi crois que avec Boussan Haïti pas gonpa la faire. Avec Bidjo Haïti pas gonpa la faire. Avec Léandal Haïti pas gonpa la faire. Avec les Boulos Haïti pas gonpa la faire. Avec les Dragons, les Cols, les Conventon, on ça veut dire là tout l'autre criminel yo, les Dragons Haïti pas gonpa la faire parce que yo pas haïtien, yo pas remè haïtien, yo pas remè Haïti, yo pas gen pièce attachement pour pays ya, yo pas rien qui t'intéresse dans pays ya. Sinon, ou d'après ou fait des belles bagages dans pays ça qui gen rapport avec comment le développement et durable, ou d'après fait des bagages concrets, mais yo pas fait, yo gon seul bagage yo fait, yo mettez banque pour ramasser l'argent cash. Yo mettez kidnapping pour ramasser l'argent cash. Yo mettez gang pour vendre armes pour ramasser l'argent cash. OK? Yo vend drogue pour ramasser l'argent cash. Yo touye président pour capable toute qualité de contrat pour ramasser l'argent cash. Dim ki sa ki gen pour avec construire route, construire l'hôpital, construire l'école professionnelle, construire université dans pays a ki nèg so fè. Yo pa fan rien ki gen rapport avec développement dans pays a pour aider haïtien kap vivre dans pays a. C'est rapport l'argent que gen ensemble avou de fait pour toute raison sa yo, faut que nous fait tout ça que nous connaît pour éradiquer groupe criminel sa yo en dans pays a. Eric Jean-Baptiste assassiné à la boule 12. Qui est-ce qui touye? Nous devons comprendre ça dans l'académie sur ça. Mon citoyen qui est Edouard Boussan. Je dis là qu'il mettait trois journalistes dans ma on. Il faut payer comme ça. Il mettait trois journalistes dans ma on. Il mettait Guerrier Henry dans ma on. Il mettait Jean-Ismaël Valestin dans ma on. Il mettait Julio Jean-Baptiste dans ma on. Il faut que nous disions, Guerrier Henry ou pas qu'à ma on, pas qu'à ma on. Il faut que la vérité en parle. Il faut que nous campions Goumen. Il faut que nous campions de côté pour ne pas quitter les gars qui ont pu s'attouiller. Parce qu'après l'assassinat de Jean-Baptiste,
On pas bon menti. C'est d'abord le coup tout pas nèg ça yo parce que Edouard Bosson menace jeune ça yo déjà. On va faire nous tant de bagaille là qui extrêmement important dans l'académie ça. Écoutez bien. Edouard Bosson avec équipe li qualifié alors groupe politique surtout qualifié Eric Jean-Baptiste, gagne média parle, il y a trois journalistes parle qui travaillent pour lui. Et journalistes a frappé de nèg qui dans secteur privé qui s'est passé pour Eric Jean-Baptiste. Et maintenant ils décident pour assassiner Eric Jean-Baptiste, ils ont fait ce macaque touyer Eric Jean-Baptiste. Guerri Henri pas qu'à venir dans la radio, Jean-Yves Malavalle c'est pas qu'à venir dans la radio, Julien Jean-Baptiste pas qu'à venir dans la radio. Je dis à ce qu'on pays sur la terre capable fonctionner avec qualité comme ça là dedans. Non, nous pas capable tolérer ça dans nos pays. Peuple haïtien, nous prenons le temps de ça comme son et l'important. Entre-temps, ou même qui vivent aux États-Unis, la France, Canada, la République dominicaine, ou même qui dans travail dur comme garçon, qui a un petit problème endurance et bonne, gardez émission ça, gardez vidéo ça. Petite vidéo ça pendant quelques secondes et pour avoir une solution. Gens outils et gaban c'est Moringa Haïti qui porte le pour gens outils et gaban n'a pas regardé ça ensemble avec et puis rapide vite ou va et rile dans numéro et puis pour jeune tout détail pour capable commander produit ça garder gens outils et gaban ni important info beto l'appareil n'a tout loin n'a tout évidemment pour une fort vin ouais qui s'est passé qui cause des gueule marron en avancé gaban ultra. Gaban Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il est là pour combattre ça et les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas camper dit tout. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagain. Il y a ça, un dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il est remplacé 3 produits Gaban parce qu'il est plus puissant. Voilà, peuple haïtien. Assassinat Eric Jean-Baptiste, là, on paquet de jeunes garçons dans Mahon. Mais non, Joseph Félix Badjo commence à citer. Ou commence à comprendre quelque part. Parce que et là, m'a dit, monsieur, je commence à comprendre qui sa cause sorti, commissaire gouvernement a fait dans une seule direction. Il dit, mettre flèche là, sous équipe matin de Balouko, ils a eu. Bien que quelque part, il est capable de t'aider avec lui, mais en quelque sorte, tout le monde capable de comprendre. Qui route le commissaire gouvernement prend. Le commissaire gouvernement pas mandé le CPJ pour mener une enquête dans toute globalité dans ce qui est pour avec l'assassinat. Côté, Eric Jean-Baptiste était sorti dans la réunion avec qui est-ce? Qui est-ce qui était parlé en téléphone? Qui par quoi téléphone était fait? Est-ce qu'il n'y a pas localiser le téléphone de Eric Jean-Baptiste là? Et pour connaître avec qui téléphone il était communiqué? Est-ce qu'il n'y a pas qu'à écrire Digicel pour mandé Digicel ou bien Natcom? Qui numéro que Eric Jean-Baptiste était communiqué de telle date à telle date, de telle heure à telle heure? Parce qu'on va retracer qui Eric Jean-Baptiste était fini dans la réunion parce que tout le monde était dans la réunion ensemble avec lui, il est dans le pays d'Haïti. Ou capable de faire tout ça, remonter après, aboutir avec un bagage quelconque? Ou pas le comprendre? Commissaire gouvernement va pas faire ça. Les juges a parlé de comment les Tilouko avec Esaü qui gagne loi qui soit les gens qui toujours a fait démagogie dans l'académie. Tout ça. Mais ça qui est important, c'est analyse pas en tant que haïtien, c'est chercher information de ça qui gagne pour avec assassinat ça. Eric Jean-Baptiste pas besoin famille, il va besoin amis. Les juges sont haïtiens, faut qu'on dit il pas qu'à mourir dans niveau de mourir là et pour pas la vérité dans assassinat. Sinon tout le monde sérieux pour dans pays il y a pas besoin de la vérité dans cadre de ça. Nous pral comprendre une série de bagaille. Écoutez bien. Moi gagné deux points que me pral aborder ensemble avec nous et que nous pral analyser ensemble pour nous comprendre exactement une idée de ça qui passait dans cadre d'assassinat Eric Jean-Baptiste là parce qu'il est extrêmement important pour nous faire exercice ensemble avec vous et puis on va comprendre. Mais entre-temps m'a dit bravo pour policiers qui commencent à faire ce déploiement et dans base vite l'homme pendant vite l'homme t'a dansé la guide li vous comprendre guide voyez monter descendre vous comprendre ça me dit là en peigné et mais la police débarque sur vite l'homme. Mais quelque part, nous avons dit que la police fait opération, son seul gang qui a arrêté, son seul gang qui est tombé. Et puis, gang vite l'homme, il y a plus de 50 garçons. Ok? Il y a plus de 50 garçons avec ZAM. Et puis, la police débarque, pas de filature qui fait, comme si, pas de drone en l'air, comme si, nous ne pouvons pas pour une opération. Depuis, nous n'avons pas de drone pour nous détecter les bandits, pour nous, comme si nous avons du cap vide de balles sur les bandits. Depuis, nous n'avons pas de hélicoptère. Cap vide bas sur bandio tout ça c'est la police a fait pas besoin gagner capable outil avec rien parce que tout le monde comprend exactement ça qui t'est passé là tout le monde comprend dans quel niveau comme si m'a dit gang yoyé et tout le monde comprend qu'est-ce qui a filé avec gang comme si nous pensait la police déplacer pour faire opération là éviter l'homme pas connait pour éviter l'homme gagne monde dans état major
Vite l'homme gagne allié li. C'est qu'on y a vite l'homme vient ennemi avec France LB. Mais vite l'homme c'est allié France LB. OK? Je dis à la vite l'homme déclarer la vérité dans ça qui pour avec implication dans quatre dossiers assassinat Jovenel Moïse. Ça vient une cause vite l'homme vient au bête noir. OK? Mais vite l'homme c'était ami France LB. OK? Ça veut dire que je dis à nous de comprendre on sait les bagailles dans pays ça pas haïtien. Et qui ça passé? Gagne Juno Jean-Baptiste avec Jean-Ismaël Valestin. Qui fait une sortie avant hier et dernièrement, semaine passée. Côté que yo indexé yon série de nèg qui dans secteur privé des affaires là, effectivement qui nan alimenté gang qui pap et des pièces moun dans pays d'Haïti. Eh ben yo rivé indexé yon série de nèg qui dans banque dans pays ya. Nèg qui dans banque yo qui est c'est parce que et Juno Jean-Baptiste évoquait que il était parlé avec le président Jovenel Moïse, le président Jovenel Moïse pas de mourir, pas de assassiner parce qu'il pas gain assassiner, gain mourir. Et Juno Jean-Baptiste dit comme ça que le président Jovenel Moïse te dit lui-même conseil de nèg qui conseil de banque dans pays qui va le fermer. Il était relon directeur banque dans pays. Directeur banque ça, il était dit directeur banque là. Si ou pas baisser dollar, m'a pas le fermer banque définitivement. Et mettre banque ça li pat l'autre que Edouard Boussan. Juno Baptiste évoquait ça comme déclaration et il était très émotionnel dans le moment, il dit bagay qui extrêmement qui concret, qui clair. Ça se comprend. Et mais qui s'est passé? Monsieur Djou après déclaration, il t'a pas recevoir appel téléphone Edouard Boussan. Côté que Boussan, t'a pas le deal ou son petit vagabond ou son petit pas sérieux. Ou son petit machin de micro, même j'avais Guerrier Henry et Jean-Ismaël Valestin, et ou son vagabond, et que vous êtes sous là. Et puis, rapide, vite, il ferme le téléphone, et puis Juno Jean-Baptiste a dit allô, il pas attendu encore. Et mais Juno Jean-Baptiste te couru prend la presse pour lui, pour qu'il te annonce public là, que gagne un certain de Edouard Boussan, qui c'est PDG Unibank dans le pays d'Haïti, qui relève le téléphone pour faire menace. Et il connaît, il fait déclaration, il dit comme ça que il connaît toute force du mal qui est contrôlé en dedans pays. Toute force maléfique, toute criminelle, ça, toute bande armée, toute gang. Par exemple, ISO, nèg GPEP, nèg qui n'a exactement dans ce qui trouve dans zone Canaran, nèg Timaka qui trouve dans la boule 12. Il connaît c'est Edouard Boussan qui a géré monsieur ça. Et mais lui-même, il décide pour qu'il ne fasse pas silence sous ça que Boussan. Sous le sous menace que Boussan fait là, il décide pour le parer dans silence là. Eh bien, quelques jours après, mais tout le monde a cherché à comprendre, on sait de bagay, qui s'est passé. Des voyous criminels notoires qui ont des problèmes avec Eric Jean-Baptiste parce que Eric Jean-Baptiste sont nègres de graines, sont petites soeurs qui réussissent dans le business en dedans pays et que qui pas besoin de patron dans l'oligarchie pour y sentir. Qui décide de venir faire politique, elles sont socialistes en même temps révolutionnaires, parce que oui, monsieur, contemporainement presque Castro, ou du moins, l'autre, Che Guevara quelconque. Nèg de secteur privé, pas besoin de gens de monde dans le pays. Depuis, c'est monde qui a mangé avec monde qui a l'argent, ou qui a un corps vous voulez partager avec masse là, il n'y a pas besoin dans le pays, parce qu'on va venir éclairer et antenne population, on va venir caler les yeux, et on va venir faire que vous avez un très très mal dans le pays. Nèg sa pa janm te bien wè Eric Jean-Baptiste dans le pays a peuple haïtien. Et mais justement, si nous vinn comprendre ça très bien, eh bien qui s'est passé? Nous pral tande ensemble avec moi déclaration et Juno Jean-Baptiste qui m'va chercher moi là pour me faire nous tande parce que ça li extrêmement important pour nous d'avoir tande li. Et mais qui s'est passé? Edouard Boussan relé Juno Jean-Baptiste pour le menacer. Mais et faut nous tande première déclaration, oui. Les déclarations côté Juno Jean-Baptiste a fait nous comprendre que c'est à partir de déclaration ça qui cause Edouard Boussan relé parce que faut que nous faire aller ça avec nous pour nous comprendre un peu de assassinat ça qui fait sous homme d'affaires là qui c'est Eric Jean-Baptiste et l'important bien que nous avons un problème de connexion mais n'a fait il faut pour nous d'avoir il aller le pour l'extrêmement important on va aller ça pour nous bien rapide. OK. Et nous allons aller le bout.
Très bien. Nous allons aller ça pour vous attendre. Nous allons entendre Jules Jean-Baptiste avec Jean-Ismaël Valestin. Et puis nous allons entendre l'autre déclaration ça qui côté Jules Jean-Baptiste d'où consacrer Edouard Bossangrel pour menacer. Ça est important pour que nous connaissions parce que la vérité a faut que l'établir dans le cadre de ça. En avance, Jules Jean-Baptiste qui a parlé. Mes déclarations, effectivement, qui l'a gué trois journalistes dans le courrier. Ça veut dire que ça nous pas qu'à quitter le passé comme ça. Ce n'est pas possible. Qui sont groupe moun nan peyi an, c'est eux même qui intouchable. Yo décide de la loi, yo tue moun jan ou vle, yo fait ça ou vle la justice pas ka poser aux clés question, fait jeune garçon qui c'est haïtien marron nan peyi a, faut que ça fini. En outre des déclarations que Jules Jean-Baptiste fait qui cause avec Jean-Ismaël Valestin qui cause n'yo pas jam ka met pied nan radio a. Il faut que peuple la dit faut que monsieur vienne faire émission parce que émission c'est pour nous qu'elle est c'est antenne nous qui a éclairé c'est eux même il y avait de comprendre ces yeux à calé et doit bosser pas rien sont qu'un petit voleur qu'un petit assassin qu'un petit kidnapper comme un gang qui a volé de misère l'argent peuple là dans qui sont dans banque une banque dans pays d'Haïti en dans délégation ça. Vous avez faut que peuple haïtien reconnaisse les vrais ennemis de ce pays. Ismaël, faut que peuple la pays a jeune sa diaspora connaît les vrais ennemis de ce pays. Les vrais ennemis de ce pays Israël, ce ne sont pas les politiciens, frère. Ce sont ces éléments du secteur privé rétrograde et corrompu. Les jeunes de qu'a fait ça? Les jeunes de menacer. Faut que tu t'en mon chef là. Les jeunes de menacer. 65 gouttes de 200 dollars. Justement. 65 gouttes, et ont menacé. Banque centrale de sanctionner des banques là, rien dans le pays. Justement. Et je dis, il y a qui fait 100 fois dans le pays. Les qui fait Lord Cambridge, Cambridge en Angleterre, les qui fait Avadio, les qui étudie Fiu en Florida, les qui fait toute grande université dans le monde là, Haïti Féroa, économistes, les économistes qui ne sont pas les économistes de service. Faut que du pays à ça, les vrais ennemis de la République, sous ces contrebandiers, des qui vont payer les taxes, des qui vendent dollars, qui donne le pays à vous je laisse là en otage. Nous faisons l'émission Ismaël. Non, on va avoir ce qui était Juno, et de là. Non, les méchants même. Si les gens sont méchants, les gens sont méchants. 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 Nous allons continuer d'entendre, c'était Jean-Ismaël Valestin avec Jules Jean-Baptiste. C'est à partir de déclaration ça, nous n'avons tout pas qu'à venir dans la radio encore parce que Edouard Bossan a cherché pour le touiller. Et c'est ça, Jules Jean-Baptiste, qui a dénoncé et que nous allons permettre de nous tendre encore une fois là. Nous allons permettre de nous tendre dans l'académie sur ça. Parce que, écoutez bien, déclaration ça fait et environ deux semaines avant l'assassinat avec Jean-Baptiste. OK? Nous avons une banque. Ban volo sa yo kap monte do ket do la kap fe ki a kou avec richesse yo ki pa vle paye en respirer c'est yo même évidemment pour nous pointer di doigt dans sac gen pour avec assassinat Eric Jean-Baptiste là et jeune sa yo yo fait comprendre ki kap ki t'a travail pour Jean-Baptiste tendez bien oui parce que Gary Henry ses amis Eric Jean-Baptiste li dou ça depuis plus passé 20 années ses amis personnels li Eric Jean-Baptiste gen éditorial li kap passer dans radio an. Mais on vient considérer que jeune ça va travailler pour Jean-Baptiste. Et sa cause, il a frappé des criminels notoires, des assassins qui sont dans le secteur privé des affaires là. Et mais justement, DCPJ a une possibilité pour le faire une enquête, pour le faire évidemment. Ça a passé dans l'assassinat de Jean-Baptiste, mais on voit le commissaire gouvernement décider pour le bâcler l'enquête là, à travers une série de démarches, tête marée qu'il a fait, et nous comprenons très bien. On continue à entendre Jean-Baptiste, qui a exprimé frustration, le peuple haïtien. Parce que c'est important, nous entendons ça. Qui met une déclaration qui cause des gens qui ne dans le pays. Je dis à faut que le peuple haïtien reconnaisse les vrais ennemis de ce pays. Ismaël, faut que le peuple pays a jeune sa diaspora, connaît les vrais ennemis de ce pays. Les vrais ennemis de ce pays Ismaël, ce ne sont pas les politiciens, frère. Ce sont ces éléments du secteur privé rétrograde et corrompu. Les jeunes LDA.
Voilà, c'est exactement déclaration ça qui fait jeune ça yo pas ka venir radio. Pour qui est-ce? Parce que gon criminel, gon assassin, gon terroriste, gon gang, gon qui parle en Haïti, gon qui parle en Haïti mais qui malheureusement qui accroît avec richesse li, qui richesse qu'il fait sous le peuple qui pas ka manger, sous le peuple qui pas ka boire, sous le peuple qui pas ka l'école là. Jodi a nous exactement 3 novembre 2022, mais justement, gen 4.6 millions de monde qui pas ka rentrer dans salle de classe parce que Edouard Bossan ça a fait violence dans pays là. La baisan tribo pas bon dans pays là. Mais jeune ça yo, Jean Jean-Baptiste, Jean-Valois Estem, Guerri Henri, dénoncer criminel là et bien ça pas calé dans radio. Il tue Jean-Baptiste, la vérité pas établi sur ça. En outant les déclarations ça encore qui pour faire nous comprendre parce que enquête 65 avec Jean-Baptiste là, il y a plusieurs moyens nous capables comme si utiliser pour nous comprendre ça qui t'est passé dans assassinat. En avancer Jean Jean-Baptiste et puis Jean-Yves Valois. Entendez. Quand ça faut peuple haïtien reconnaître les vrais ennemis de ce pays. Israël, faut peuple la pays à jeune sa diaspora, connaît les vrais ennemis de ce pays. Les vrais ennemis de ce pays, Israël, ce ne sont pas les politiciens, frère. Ce sont ces éléments du secteur privé rétrograde et corrompu. Les jeunes de Anne. Qu'a fait ça? Les jeunes de menacé. Faut citer mon chef là. Les jeunes de menacé. C'est 65 gouttes de 200 dollars. Une banque. 65 gouttes, et on menace. Banque centrale te sanctionne des banques là où dans le pays. Justement. Et je dis, il y a qui fait Stanford dans le pays. Il y a qui fait Londres, Cambridge en Angleterre. Il y a qui fait Avadio. Il y a qui étudie Few en Florida. Il y a qui fait toute grande université dans le monde là. Haïti fait économiste. Les économistes qui ne sont pas les économistes de service. Fortune du pays à ça. Les vrais ennemis de la République sont ces contrebandiers. Des qui vont payer les taxes. Des qui vendent dollars. Qui gagne le pays a vu jeunesse là en otage? Nous quittons l'émission Ismaël. Non, on va avoir ce qui était Gino, était là. Non, on est méchant même. Si on est du combat, on est méchant. On est du pays à vérité, amen. On est du pays à vérité. Gardez l'état juvénal, gardez l'état del mataba, amen. L'éducation, on a bien, amen. Tout ce groupe muet qui parle le pays, qui va payer taxes, qui va contrebande, qui a volé et qui a protégé le pays, amen. Il va faire ça, frère. Faut nous dénoncer ça, amen. Faut nous dénoncer, il va faire ça, frère. Mais garçon, je ne vais pas créer dans vous quand la parole là. Mais garçon, je vais pas me faire bas. Radio Omega. Garçon, pas qu'on fait bas. Radio Omega. Et mettre garçon sous là. Chalmas. Qui s'est négligé à tout le monde. Et là, nous allons commencer par des noms. Et je dis à si Ariel Henry Kouai, c'est contrebandier que la vraie. Si Ariel Henry Kouai, c'est d'autres petits groupes politiciens au pays, c'est contrebandier qui gagne la gang. Retirer tout contrat avec privé au gagne dans le pays là. Ou à tout ça, faut payer Ariel Henry. Vous gâtez la parole. Faut grand monde qu'on a oué. Même pas le va parler bien. On paye à foutre souffrir sous dos. On paye pour nous mourir sous dos, Ariel Henry. Retirez tout contrat à l'église qui est dans l'État. Mais combien de l'église qui fait caoutchouc? Mais combien de l'église qui fait diri? Vous gâtez la parole? Mais combien de l'église qui fait banane? Achetez, Emmanuel. On fout banane et vendez, excusez-moi l'excessive. Le seul guerrier Henri, au football de revendait. Comme les gars ici qui produit la Timonide. Zéro. Et peut-être dis-nous ça. Le nom de la Timonide a volé un sac de riz, il est grave en pile. C'est pour ça que Jovenel Moïse mourit. Mais Vintel nous devons radio, c'est nous tout et nous. Mais nous avons défendu une bonne cause. Vous gâtez la parole. Mais vous êtes tellement méchant, mais vous êtes éliminé qui sont les bagages qui les classent pour un an. Bien content Timo ça, ti de glace ça Ismaël Valès te faire, c'est pour ça que Jovenel Moïse mouri. Et quel que soit nèg de pour fouiller bouchou, dans défendre, dans dire la vérité dans ça qui pour avec position Jovenel Moïse qu'on apprend avec gros criminel yo, yo décide à tout prix pour assassiner, pour déraciner, pour éradiquer dans pays a parce que c'est yo qui met pays a. C'est des tout puissant que yo la justice au service yo, la justice a protégé gang yo, la justice a protégé assassin yo. Moi m'a dit nos pays ya nation li pas possible pour ces haïtiens k'ap courir de pays ya pour on série de criminels qui c'est des syriens, libanais, palestiniens qui pas fout haïtien, qui pas fout remet pays ya, qui pas le pays ya, qui pas le peuple haïtien. On avance. On ils vont aussi air conditionné. Combien de millions de gens ont fait sous de nous? Tout pays développé. Ouais, bon, dis-nous ça. Ouais, Ariel Henry,
Si vous voulez sauver le pays, comme moi je dis, vous voulez Canary pas sous, Krish pas qui bagaille. Si vous voulez faire bagaille pour Haïti, bon douli à soi. Retirez tout contrat net dans mon secteur privé. Nous ne pouvons pas vivre nos pays aujourd'hui. Nous tous sommes haïtiens. Et nous ne pouvons plus passer tout le monde dans le pays. Radio Omega. C'est eux que je ne prends dans l'État. Et c'est eux que je ne crée dit dans l'État encore. Ils ont monté le business, c'est sous deux l'État acheté. Et dans l'État pour acheter. Ça ne va pas attaquer qu'un business, mais l'école pour l'ouvrir. Qui est si sûr qu'a fait spot? Fred Bouitis qui est naïve, nous j'aime la fait spot à bouler dans la radio. Et dit si arrêtez, j'aime la fait spot à bouler dans la radio. Qui contrat le joint? Qui contrat le joint? Il va aller vendre dans la radio. Faut que nous commençons à nous dans le pays, amen. Il va pas tenter ces politiciens, pourtant c'est pas vrai, amen. C'est nous qui contrôlons le pays qui a causé la richesse, amen. Faut que ce soit un diacon pour être mieux. C'est les seconds, mais on t'a mis à yo. Mais on t'a mis à yo. Ou pas comme la radio, là, il faut côté. Quand il a lancé un pété blanc, dormi. Les Ariel dit qu'il faut forcer les étrangers à entrer dans le pays. Quand il est content, parce que l'hôtel, il prend le foule. Il a continué à faire comme sous nous. Réveillez-nous la société. Assumez responsabilité, nous. Protestez-nous. Prends destin nous en main. Nous disons la vérité à soi. Peu haïtien, destin nous en main. Destin nous en main. Politiciens, en pile, yo, yo pas ramasser caractère. M'a dit nous li. En pile, yo, contre sous sénateur, sous député là. Yo pas à manger. Yo contente, yo. Yo a prendre des grands services. Mais tout le monde, toute femme, avec qui est besoin de prier sous l'État. Je connais qu'à mourir pour des chiens courants. Et je mourir pour une bonne cause. L'État préfère le côté lié à. Il en vérité, même n'a menti. Préfère dans un groupe monde pour vendre, pour produire courant dans le pays. Je prends l'argent, je prends l'argent dans le BNC. Terre pour l'État. Qui est-ce qui va faire un courant? L'État haïtien. Mais ça fait si Pierre, si Jacques, pas qu'à faire un courant tout. Bah, c'est grave, oui, même. Avec si Pierre, si Jacques, pas qu'à faire un courant. Ismaël, faut qu'on se donne qu'à l'école dans le pays qui dit qu'on lit. Faut qu'on dit peuple la vérité, ça, oui, même. Non, il faut que tu éclairages peuple là, Ismaël. Faut que tu éclairages peuple là, oui, même. Je crois à l'aise. Mais je veux dire, nous tous avons quitté le pays. Vous cantez la parole? Je veux dire, nous tous avons sauvé quitté le pays. Parce que les gens ont besoin de pays à vous, ils ont besoin d'espace pour vivre, ils ont besoin d'espace pour à l'aise. Je dis à tout le monde qui a quitté le pays. Nous tous avons quitté. Parce que nous sommes à l'aise, oui. Parce que nous avons un petit RAF 4, nous ne prenons pas camarades. Si l'accident soleil là, nous ne prenons pas camarades. Si la classe Alina, nous ne prenons pas camarades. Si la Batissan, nous ne prenons pas camarades. Si la Solino, il faut que la société réveille. Diaspora! Donc, société arrive. Nous comptons qui pourra dans l'économie. Réveillez-nous. Chili, Brésil. Il y a des économistes qui ont fait un système qui a dit que plusieurs milliards de dollars qui ont sorti dans la diaspora. Réveillez-nous. Qui n'est qui consomme elle? Réveillez-nous. Parce que j'espère, Ismaël, faut j'espère comme ça. Lorsque Hitler a décidé la politique d'extermination des juifs en Europe, Ismaël, quand il va tuer 3 millions de juifs en Europe. Ok, bah donc, bah quoi que monde là qui arrive là encore, il est dans un niveau qui est arrivé à monde là. Ça que vous comprenez, c'est que tous ces juifs qui étaient en Europe à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale d'Israël, tout allait dans le pays. Quand il y a Miami, États-Unis, quand il y a Canada, quand il y a France, quand il y a Brésil, Chili, il ne va pas y avoir. Quand il y a un événement X qui passe demain, parce que le monde n'est pas stable, et le monde ne sera jamais stable. Depuis le monde de la fête, c'est conquête, c'est guerre, c'est bataille pour territoire, bataille pour l'argent. Nous, ça va passer là avec la Russie et l'Ukraine. Donc, Haïti qui est dehors, il y a intérêt pour impliquer pour Haïti changer. Parce qu'à tout moment, quand il y a un comité dehors, quand il y a un pays vaut. Donc, vous avez intérêt pendant la diaspora là, vous voulez comme en Haïti, en pile l'argent dans le pays d'Haïti, pour bataille, vous voulez changer. Parce que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque il devait tuer 3 millions de juifs, ok, tout reste qui t'est sauvé, yo tout est là, caillou.
C'est pour nous dire que nous même vous dire à diaspora, réveillez-nous. M'a dit ma réaction à son gouvernement assassin qui là. Son gouvernement buvait de sang là. Si un président en fonction qu'a mourir Jean mourir avec quelqu'un qui m'a demandé justice pour lui dans la monde ça yo. Le catrouille n'importe dans nous là. Le catrouille n'importe dans nous là. Mais société a m'a mourir. Ouais comment me faire décantation moi-même moi qu'a mourir. Mais m'a mourir pour petite moi. M'a mourir pour entourage moi. M'a mourir pour pays a. Et désormais, je depuis une chance pour nous là, n'a vinn dissocier de la vérité à grand lier. Et n'a sans pitié. N'a sans pitié. Vous cantez la parole et journaliste ici commence à ranger comme. Journaliste ici cap ranger bouche, commence à ranger comme. On décide fond bagaille pour pays là. Et n'a continuer faire. Important. Parce que le dossier pays à là, la terre, elle est dans nous. Le dossier pays à là, nous. Pour qui ça s'est dit, nous, nous, toujours, voulez courir. Voilà. C'était exactement la réaction de Jean-Yves Valestin, depuis Jean-Yves Jean-Baptiste. Effectivement, tu fais. Et dans la situation que vous sentez vivre comme Haïti, parce que vous vivez la réalité, vous vivez dans le pays d'Haïti. Vous connaissez les gens qui ont des armes tout partout, vous connaissez les gens qui ont alimenté les gangs, vous connaissez les gens qui ont des pays dans l'insécurité généralisée, ça pour les gens qui ne peuvent pas fonctionner dans le pays. Pendant ce temps, petit pays, madame, à l'étranger. Mais vous faites l'argent dans le pays, parce que vous avez quoi avec un grand bagage avec richesse, Haïti, vous considérez comme un espace pour faire l'argent seulement. Mais vous n'avez pas une pièce de redevance, comme si vous avez une redevance envers le pays, envers le peuple qui vit dans le pays. Ce n'est pas possible. Et bien, vous avez fait des déclarations, mais qui sacrifie les gens. Vous avez même qui sont doués comprendre, et qui est important. Et que nous ne pouvons jamais suspendre passer pour vous. C'est exactement. Ben on va aller ça pour vous. Voilà. Tout de suite, vous faites une déclaration ça. Mais qui s'acquive vous? Vous attendez. Ça ne peut jamais suspendre passer. Et puis, nous avons une idée plus ou moins de l'assassinat avec Jean-Baptiste. Les gens qui tournent avec Jean-Baptiste, nous mettons préparer nous. Nous mettons préparer nous parce que le crime ne peut pas être impuni. En nous attendant. Qui s'acquive, Juno Jean-Baptiste, qui était excité, qui t'a fait déclaration ça, qui ça, qui est-ce qui relève après? C'est Edouard Bossan de Unibank. Edouard Bossan de Unibank, qui relève le téléphone pour menacer le téléphone. Et c'est bon Dieu dans celle-là, oui, qui fait chef gang ça relo, qui fait tout puissant ça relo, qui fait assassin ça relo. En nous entendant bien, Juno Jean-Baptiste, qui t'a expliqué, qui j'en que Edouard Bossan relève, et qui comment dans quel contexte il prend déclaration ça, entendez. J'ai toute journée. Et ma pleure sous pas prudent qui a dérangé toute vie. Expliquez paysan qui s'est passé matin. Justement, rien, en fait, c'est pas matin, ça passe jeudi dernier. Et ah, jeudi c'est, 20... c'est depuis jeudi. Oui, jeudi 20 octobre, ça passait. Et d'abord, on m'a appelé prémisse, si tu as prémisse, ça s'est passé. La prémisse, c'est que dans une émission pour quand la parole, nous sommes venus dans l'émission, nous avons développé une rhétorique pour montrer que la situation globale, crise totale, chaos généralisé pays à vivre là, et c'est ensemble de cartels, yo. Ça veut dire cartel politique, cartel diplomatique, cartel économique, qui pas jouent rôle, yo, qui faillit à la mission. Yo. Et nous avons pris un exemple, cartel économique, là, qui est là-dedans, des commerçants, de grands commerçants, qui parlent mes pays, ce pays d'Haïti, qui pas patriote, qui seulement ouais espace Tessa, bout Tessa qui est Haïti, hein, comme un côté a fait l'argent. Et l'argent dans toutes conditions, l'argent sale, l'argent, pile l'argent, ça y est, ça qui est Haïti, c'est faire l'argent, quelle que soit la condition. Nous t'es effleuré dans l'intervention maintenant, nous t'es dit que par exemple, sur question de dollars là, il y a de grands spéculateurs, il y a de grands banquiers tout puissants qui a fait l'argent dans le ça. Et je vais vous un exemple. Sa président Moïse te dit, dans la conversation privée que je vais avec lui, quelques mois avant de l'avoir assassiné, le 7 juillet, quand il te dit que il y a un banquier qui est relé dans le pays d'Haïti. Le banquier a dit que si vous
si que ou pas baisser dollar m'a fait un peu quoi. Et 3-4 semaines après, dollar américain à l'époque, en 2019-2020, qui était dans 115-120 gouttes, ta voile descend 65 gouttes. On n'a pas cité des noms. On te dit qu'on s'accueille dans quel que soit pays organisé, secteur privé, n'est qu'à faire affaire, qu'à brasser affaire dans le pays, c'est eux qui baillent le ton. Les politiques baillent le ton, certes, même nous avons impliqué dans le développement du pays, dans la construction de l'école, dans la construction de la salle de spectacle, dans la salle de loisirs, dans la construction de l'université. Nous avons remis le pays à regarder comment ça fait ce domaine, à regarder comment ça fait un grand pays qui a plus ou moins marché. C'était ça l'intervention que nous avons fait dans le bouquin de la parole. Et puis je dis, hein, moi, je m'appelle de Edouard Boussan. Donc, on dit bien que nous ne connaissons pas aller avec Edouard Boussan depuis un an et demi, deux ans. Et nous avons demandé plusieurs fois, je suis avec lui autour de médias qui m'a dirigé, qui c'est PowerPoint Post. Eh bien, il dit, moi, ça que je ne me trouvais qu'au actionnaire en pile, pour son petit vagabond, pour que je ne connais pas aller avec vous, et pour quitter guerrier avec Valestin, je cite, après nous dans tout comme machin micro pour attaquer ma cité dans l'intégrité. L'homme dit écoutez monsieur Bossan, il va accoucher. Il a me prend téléphone moi, mais écrit le message, il me dit au moins vous auriez pu m'écouter avant de raccrocher. Jusqu'à vous elle va répondre moi-même. J'ai réagi avec fracas vis-à-vis de moi, hein, comme journaliste qui a vu dans le pays, je prends comme une menace. Je connais qui boit ensemble de groupes de nègres ou chauffeurs dans le pays, groupe nègres qui ont cop, groupe nègres qui ont pas dans le pays. Je connais qui ça est capable de faire, qui ça est capable de faire. Je connais le pouvoir, je connais l'influence, je connais toutes les forces du mal que nègres ça contrôle dans le pays. Moi-même, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de réaction, Edouard Boussan, qui est un actionnaire. Il y en a un principal actionnaire de la Unibank. Je prends comme une menace. Il est important, très important, pour que je me fasse payer à part de menace que Edouard Boussan proféré vis-à-vis de moi-même, pour payer à, pour la population haïtienne, que m'a servi depuis des années comme journaliste, que ce soit au Nouvelliste, que ce soit à Magic 9, que ce soit après quelques mois à Radio Kingdom, et maintenant, depuis 5 mois à la guerre Yari. M'a fait expérience là avec vous dans le bouquin de la parole et Valestin. Ça qui anime, ça qui motive, c'est ma passion pour Haïti, passion que je viens pour pays ça, et veut que je fais à tête pas une bataille à ce que dans 10-20 ans, qu'on a un autre pays qui émerge sous Win Sanguela, parce que ça qui est là, il n'est pas insoutenable sous 5 à 10 ans. En tout cas, vous précisez seulement que monsieur dans Unibank, il pas seulement dans Unibank, monsieur tout dans Dexa. Et Léo Dexa, il veut dire exactement ça, il veut dire c'est des nègres qui en bas dans la zone APN, dans sous Poa. Et le nègre, par exemple, dans la zone ça, il gagne contrôle. Ça veut dire si on n'est qu'à l'aise, qu'on s'est rentré dans Paul pendant que zone ça, il y a des bandits, et puis c'est des zones de non-droit, où on a une facilité d'accès. Il voulait dire exactement ça, il voulait dire. En tout cas, à Souéa, l'éclair, c'est que la vie, Juno, Jean-Baptiste, menacé, Edouard Boussan, lui est menacé, et jeune journaliste qui a vivé avec famille, et selon information même et cap circulé, rete pour essayer de confirmer, déjà gagné, et des signalements qu'a fait autour de côté Juno habité, et moi-même le après-midi m'a joindre des éléments d'information sur question ça. Moi estimé l'extrêmement important pour nous partager ça, la vie et Juno Jean-Baptiste ainsi que sa famille dans une situation extrêmement difficile, parce que gain un certain de Edouard Boussan qui menaçait jeune journaliste, ça sous expliquer. Et m'da souhaite que Juno démarche juridique ou déjà fait yo, et DCPJ suppose déjà prendre note, parce que fòm tou depuis quelques temps dans zone pour la phyto, dans zone canarin, gen nèg a gros am et nèg yo pa jam suspend et parler de boss yo genyen. Ça veut dire que ça nous pas prendre à la légère, c'est vrai. Et monsieur rele Juno, c'est peut-être Juno le genyen et
contact li, il y a communication avec, mais citez nous tous, s'il vous plaît, Guéry Henry avec Jean-Ismaël Valesté. En tout cas, Edouard Bossin, c'est Fom Claire, jodi, il présente tête li comme moun qui menace l'équipe Boukanté la parole là directement. Edouard Bossin, nous prenons note de ça et nous connaissons ou grand pile point côté Kougen de Negazam. Et surtout dans la zone Bolakayou, Koto Rimbuzin, Koto fait tout pire tout. Mm-hmm. Et c'est des nègres que nous connaissons qui sont extrêmement dangereux. Et c'est vrai que physiquement, nous ne pouvons pas faire personne. Mais c'est important pour que nous signalions ça. Juno Jean-Baptiste, extrêmement dangereux avec un certain de Edouard Bossin qui a menacé. En tout cas, Juno, comment moral là est depuis lors? Comment l'esprit a est? Et nous avons communiqué avec famille. Est-ce que tout bagaille plus ou moins aujourd'hui? Et moi, la li au beau fixe, et on aime faire les fois moi là au beau fixe, parce que on est ou même qui a expérience dans micro, qui a expérience pour des engagements, de grands engagements dans le pays, et l'autre, il faut que déjà est prêt pour accepter toutes conséquences, accepter tout ça, ça charrier comme émotion, tout ça, ça capable charrier comme menace. Donc, et moi-même, dans l'espace Boukanté, dans Boukanté la parole, et j'aime toujours dire c'est vérité qui boussole nous. Donc lorsque m'ta fait point ça, m'ta fait commenter ça, m'ta développé argumenter ça, m'pa gagne qu'un monde en ligne de mire, sinon ensemble de messieurs dames qui a fait business en pays, ensemble de messieurs dames qui a acheté revend en pays, m'ta souligné surtout nécessité à ce que y ait une nouvelle classe d'affaires intelligente qui remet pays d'Haïti qui passe le pays d'Haïti. Effectivement, c'est une simple déclaration ça et son revendication qui la caille chaque grand haïtien, que chaque grand haïtien a supposé à bataille pour que ça le suspende, que c'est un groupe nèg seulement dans pays a décidé c'est une banque qui a décidé pour faire business dollar avec banque privée ou est-ce qu'on a mis du monter dollar dans le niveau qui ouvre là pour faire volume comme qui ouvre là. Les jeunes de Moïse posent des questions. Il faut tuer le président. Je dis à journaliste ça évoque un point comme ça. Il irait les journalistes directement dans le téléphone pour le menacer. Et quelques jours après, il a tué Eric Baptiste comme homme d'affaires dans Petionville qui gang qui tue le gang Edouard Bossin qui est gang Timakak là. Ça, c'est le bagage pour qui est important pour que nous-mêmes, comme Haïtiens, pour nous batailler pour éradiquer dans le pays. Parce que je dis honnêtement, tout le temps nous gagnons ça dans le pays. Nous ne pouvons jamais soutenir ça que nous trouvons là. Et son seul bagage, quatre là pour nous rebattre, quand nous réviser quand nous passer pour nous automatiquement font aller ouzer parce que nous payons plus. Nous c'est des millions, pas même une centaine même, juste passer dans Petionville, éradiquer ou après si nous n'avons pas une solution définitivement. Je vous donne exactement 3 novembre 2022. Ça veut dire nous à quelques jours, nous à quelques mois, franchement, environ un mois et quelques jours. Et de une fin d'année, on dit nous allons changer l'année, nous allons aller en 2023. Et prendre des précautions au maximum, et parce que la vie, et son cadeau, et son véritable richesse que bon Dieu est capable de nous. Donc, on dit que j'ai payé, nous même qu'à vivre dans le pays d'Haïti, pour un pile précaution, et que pour nouvel an ça, nous avons traversé l'enfer. Moi, maintenant, en pile, qui m'a rendez-vous cassé pour 6 h.m. dans l'émission Panouan, qui est plateforme YouTube, mais il faut mettre toi. Qui m'a rendez-vous cassé pour 6 h.m. À tout à l'heure.